située à 15 km au sud-ouest de Johannesburg, dans la province du Gauteng. C'est le plus peuplé des townships d'Afrique du Sud, avec une population composée de Noirs et de Métis. Ce ghetto, constitué majoritairement des maisons en tôle, a été le théâtre des émeutes de 1976 et qui se sont répandues dans toute la nation. Créée dans les années 50, cette ville a failli porter le nom de Verweltville, en hommage à Hendrik Verwelt, ministre des Affaires indigènes et l'un des principaux concepteurs de l'apartheid. Soweto comprend plusieurs quartiers, certains aisés et d'autres très pauvres et des bidonvilles. C'est le visage de la désolation qui traverse cette partie du pays. C'est l'une des régions les plus pauvres d'Afrique du Sud. S'il faut dire, c'est en un mot le revers de ce beau pays développé à certains endroits et à d'autres l'image du chaos. L'Afrique du Sud est une jeune démocratie, certes, mais déjà ancrée dans le développement. Ces quartiers pauvres, mais historiques, sont les vestiges d'une époque douloureuse et encore vive dans les mémoires des Sud-Africains.